Salut à tous, bienvenue sur le foutoir pour ce nouveau tuto Minecraft. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons construire un restaurant McDonald's de style moderne. Comme toujours, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous pour de bonnes raisons, nous soutenir et ne pas louper la prochaine vidéo. Donc cette construction sera de 31 blocs par 37. L'entrée se trouvera côté route et on n'oublie pas de laisser 5 blocs d'espace autour du restaurant pour la route du McDrive. Toujours avec le pack de textures moderne HD, du béton gris, du béton rouge, de la terracotta ou terre cuite verte, du béton jaune, du béton blanc, des planches de chêne, de l'andésite, des blocs de quartz sculpté, des dalles de quartz lisse, du verre noir, des vitres bleues, des escaliers en purpur, des trappes biscornues, des trappes d'acacia, des lanternes aquatiques, des pierres lumineuses, des blocs de purpure, des portes en fer, des portes en acacia et des murets de granit. On démarre tout de suite avec le béton noir. On laisse 6 blocs d'espace depuis la route avant de venir placer son premier bloc de béton. À côté de ça, on tire dans le sens de la route 5 blocs qu'on va tout simplement doubler. On va ensuite laisser 5 blocs d'espace et venir tirer un trait de 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pareil, on le double. On continue sur la droite, on tourne. On laisse 4 d'espace pour le mur en chêne. Et on rajoute à ce moment-là 18 de béton. Pareil, on vient, on double. Voilà. Donc le reste, vous voyez, ça va être des planches de chêne ici. Donc on va partir sur en face, donc de l'autre côté, pour tirer un trait de 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pareil, on le double. Donc on fait la même chose. Et on va prendre les planches de chêne et on va tirer 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous laissez 2 d'espace et on y va pour 27 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et on relie le tout jusqu'au mur de béton gris. Donc vous montez de plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous reliez les deux. Vous continuez sur l'arrière. Et on fait pareil sur en fait toutes les parties de planches de chêne. Et en fait, après, vous allez tout simplement tout remplir. Tout remplir en chêne. Et vous allez juste garder l'ouverture de la porte arrière, donc la porte employée, sur 3 de hauteur. Donc l'espace de 2 vous aviez gardé pour 3 de hauteur de la porte. Mais vous allez même mettre 4 parce que le premier, premier bloc, c'est le sol. Vous remplissez tout et on se retrouve après. Voilà, ça donne quoi? On repart avec le béton gris. Cette fois-ci, on fait plus 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne ferme pas, vous voyez, l'angle vers le bas. On fait tout simplement le tour sans descendre. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, hein. On ne s'arrête pas de la construction. On ferme par contre voilà au dernier bloc.
Ensuite, vous allez venir au centre avec les escaliers de quartz, de granit, pardon. Et vous allez venir les mettre au sol pour le rail de la porte coulissante d'ouverture. Vous voyez, vous êtes au niveau du sol là. Vous prenez le béton gris et sur la droite, vous comptez 7 blocs et vous venez fermer jusqu'en haut. Voilà. C'est là où se trouvera le logo McDonald's en rouge. Vous laissez 2 blocs d'espace pour venir mettre une colonne, que vous mettez une deuxième à côté. Et vous laissez l'espace, vous voyez qu'il y a ici, là, vous le laissez, vous allez juste fermer sur la droite une colonne supplémentaire. Donc, ce sera la première vitre. Au-dessus de cette vitre, justement, on vient rajouter un muret de couleur béton gris x3, vous voyez, de hauteur. Donc, pour que ce soit bien égal, vous allez à ras la fenêtre, hein, ras la deuxième fenêtre. Donc, ça fait 10 blocs de longueur. Vous reprenez vos planches de chêne, vous laissez 6 blocs d'espace sur ce mur. Et vous rajoutez 3 que vous pouvez venir relier au reste de la structure. Vous continuez avec les planches de chêne et en fait on va relier les deux parties mais vers l'intérieur. Donc vous prolongez comme ceci vos murs pour fermer en angle droit, pardon. Et donc vous pouvez tout simplement, comme le reste, monter à 3. Voilà. Ensuite, du coup, on va fermer le toit, donc à hauteur du béton gris. Comme ceci. Ensuite, vous allez sur la gauche avec le béton gris. Vous allez doubler la colonne de l'encadrement de fenêtre. Et vous verrez avec les dalles de quartz. On va tout simplement faire le tour, ce sera vraiment sympa. De ce côté-là, du coup, on fait pareil, hein. On vient en plus 4, mais par 2. Voilà, et on tire jusqu'aux planches, et pareil, par 2. L'encadrement de la deuxième fenêtre, on reprend les planches de chêne, et les 4 qui nous manquaient, bah, on vient tout simplement fermer jusqu'en haut nos planches de chêne. Et on va même pouvoir du coup prolonger au-dessus du béton gris de partout cette fois-ci. Voilà pour l'encadrement général. On va du coup s'attaquer au contour des fenêtres avec le béton blanc et les dalles de quartz lisse. Donc c'est très simple sur la partie du béton gris. En haut, vous mettez sur la partie basse et en bas, vous mettez sur la partie haute du bloc. Et vous faites le tour. Donc en bas, vous voyez comme ceci. Sur la partie haute en vous arrêtant à la porte. Et au-dessus, donc là, vous allez prendre le béton blanc pour monter jusqu'en haut. Et donc sur le bloc du haut, sur la partie basse du bloc. Un peu complexe mais c'est comme phrase, mais c'est ça. Donc là, vous y allez franco jusqu'en bas, enfin jusqu'au fond. Vous laissez un bloc de béton gris. Donc vous collez bien à la fenêtre. Et vous faites la même chose, du coup, en bas, sur la partie haute du bloc. Vous arrêtez à ras la fenêtre de 2. Au-dessus, vous faites pareil, vous cassez en fait au niveau des 7 blocs de béton gris pour venir mettre en fait le logo McDonald's. Donc on va commencer avec le béton rouge et vous allez monter tout le long, un mur tout le long du béton gris. Et vous allez même le dépasser de 1. Et après, on va commencer à vous attaquer le logo à partir de là. Vous voyez, en laissant à chaque fois les espaces pour. Donc regardez le schéma, c'est tout simple. C'est un béton jaune ici. Vous les montez de 3, c'est ceux que je viens de placer. Là, en fait, vous les montez de 3. Celui du milieu, c'est de 2, mais il s'arrête au même niveau que les deux du côté. Bon, je ne sais pas si j'explique bien. J'essaye. Donc voilà, 3, 3, 2. Vous voyez? Et entre chaque barre, justement, vous venez rajouter un cube pour faire le M. C'est simple. Ensuite, au niveau du toit, vous venez mettre des dalles au-dessus. Comme ceci, dalle de quartz, et vous allez en fait tout simplement les doubler après ça vers l'extérieur. Plus un vers l'extérieur pour leur donner un effet de rebord, ce petit côté moderne. Donc, vous voyez là déjà avec le logo et le toit, ça prend vraiment forme. Le logo en fait j'ai l'impression qu'il fait tout finalement. Dans le logo, il n'y a rien, quoi. C'est un restaurant. Ah, pour le moment. Attendez de voir l'intérieur.
Voilà, ça prend forme tout doucement. Mettez-nous dans les commentaires ce qui vous plaît ou pas, hein. En tout cas, ça me plaît beaucoup celui-là. On va continuer du coup les dalles de quartz, pareil sur cette fenêtre. Donc la même chose, hein. En bas, en haut, avec le béton blanc entre les deux. Voilà. Prenez maintenant le verre noir. Vous allez vous mettre au niveau de l'escalier de granit et vous mettez un de chaque côté que vous allez monter jusqu'en haut. Et vous allez fermer aussi au niveau du plafond avec trois blocs. Et vous rajoutez trois vitres bleues de chaque côté. Donc là, vous avez la porte. Avec le verre noir, vous continuez sur le béton gris. Et en fait, vous fermez les fenêtres jusqu'en haut. Ça vous fait des grandes baies vitrées, vite teintées. Et vous faites ça du coup sur chaque partie que nous avons laissée ouverte pour les fenêtres. Donc il y a les deux blocs. L'espace du Mac Café. Et la salle. Voilà. Donc là, vous avez fini l'extérieur, à part la porte de derrière. Vous prenez ensuite du coup les planches de chêne à nouveau. Et vous vous placez au niveau de la bande de béton, la dernière. Vous mettez tout en haut en fait. Vous venez tirer un trait qui va rejoindre le plafond. Vous voyez, devant celui-ci, on prend le béton gris. Cette fois-ci, vous tirez un trait jusqu'au bout du restaurant. Donc de part en part. Toujours avec le béton gris, vous revenez dans l'angle et en dessous, vous tirez une bande que vous doublez vers l'arrière, comme ceci. Et derrière, encore, il vous reste l'espace de 4 pour mettre des planches de chêne jusqu'au plafond. Au-dessus de la bande de béton gris, on vient rajouter encore avec les planches de chêne 2 de hauteur. La troisième qui se trouve ici, en fait, vous la remplissez pas, car elle va nous servir, en fait, c'est la hauteur du toit. C'est là où on mettra l'andésite. Vous fermez simplement de deux. Ensuite, vous allez à droite avec le béton gris, au niveau de l'encadrement de la fenêtre, sur la partie extérieure, vous montez une colonne de 6. Vous allez en face. Là, en face, vous n'allez pas sur l'encadrement, mais à droite, dans l'encadrement, et entre la fenêtre, du coup. Et vous faites pareil, une colonne de 6. Vous laissez un espace, vous mettez 4. Vous laissez un espace, vous mettez 5. Vous montez pareil le tout, plus 5 pour avoir 6. Vous pouvez les relier. Et les espaces que vous avez faits sont pour des portes. Donc vous les avez laissés 2, plus 1 pour le sol qui n'est pas posé, donc 3. Donc important, comme le sol se trouve en dessous, vous laissez 3. Ici, à 3 blocs d'espace, vous laissez un d'espace encore, vous mettez 2, vous montez le tout pareil, plus 5, et vous pouvez relier en laissant 3 d'espace pour la porte, comme ceci. Et ici, à gauche, on rajoute 2, qu'on monte fois 6, et on peut tirer le tout jusqu'à l'autre colonne. En bas, on monte de 2, et on va laisser donc 2 d'espace pour doubler du coup la barre du haut. Ça vous laisse l'espace des caisses où se trouveront les équipiers. Au-dessus, on va pouvoir remonter du coup notre mur en béton gris de partout, jusqu'à en laisser en fait un espace simplement pour l'andésite. Donc vous allez le monter, voilà, plus 2. Comme ceci. Au niveau du Mac Café là. Pour délimiter le restaurant au sol, vous tirez une bande de béton gris au niveau de l'encadrement et du pilier, vous voyez, sur le dernier bloc arrière, et le reste avec la terre cuite verte, vous pouvez remplir le reste du restaurant. À l'intérieur, dans les cuisines, on va fermer avec les toilettes et les murs de la cuisine. Donc vous allez prendre là cette fois-ci le bloc de quartz sculpté et vous venez à l'extrémité du mur qu'on avait posé en béton gris. Et tirez 9 blocs. Vous tournez. Là, bah, vous êtes simplement jusqu'au mur. Hein. Vous tirez un trait. Et tout ça, vous allez les tripler. Donc, vous allez monter 3 fois de hauteur.
pour avoir 2 qui dépassent une fois le sol posé. Voilà. Toujours avec le bloc de quartz sculpté en ayant la porte à gauche. Vous allez contre le mur et vous allez laisser des espaces de 4 pour faire des cabines. Et entre chaque espace, vous allez mettre des blocs. Donc par 2. Comme ceci. Ça vous fait des petites cabines. Donc ça, c'est pour les femmes. Vous avez 3 espaces. Pour les hommes, vous mettez contre les planches en chêne. Vous mettez 2. Vous laissez 4 d'espace. Vous remettez 2. Et à gauche, vous tirez un trait de blocs de quartz sculpté. Le tout, vous le montez plus 2. Comme le reste. Et avec le béton blanc devant, vous allez fermer vos cabines en laissant juste un espace pour venir poser les portes une fois que le sol sera posé. Donc ça vous fait des espaces de 3 sans le sol. Et pareil chez les femmes. Et au-dessus de tous les murs, vous allez venir monter le tout jusqu'à hauteur du béton gris. Et nous, on se retrouve juste après. Maintenant que c'est fait, on retourne dans la cuisine. Donc on reprend le béton gris et on va se mettre au niveau du bloc de quartz sculpté. On va laisser 4 d'espace, comme ceci. Et on va mettre 3. 3 blocs de béton gris. On va en laisser 4 et on va en mettre 1 cette fois-ci. Donc le tout, vous montez plus 3. Donc pour avoir 4. Et au cinquième bloc, au-dessus de cela, vous tirez, donc j'ai dit au-dessus, vous tirez une bande de mur à mur. À l'intérieur, entre les deux murs à la même hauteur, vous venez placer du béton gris pour remplir le tout. On prend ensuite les blocs de quartz sculpté, on se met au milieu des 3 blocs et on va venir tirer un mur jusqu'au niveau des murs des toilettes. Vous tirez la même longueur et vous allez monter le tout de 3. Comme les autres. Sauf que cette fois-ci, avec le béton blanc, vous en rajoutez que 2. Ce sera la hauteur des murs de la cuisine. Donc pour fermer la cuisine, au-dessus du béton gris, vous allez venir placer un mur de béton blanc. Voilà, on va y arriver. Voilà. Là, vous avez la cuisine fermée. On va venir placer le drive. Donc toujours avec les blocs de quartz, vous venez mettre un mur de 2 en laissant 2 d'espace en fait à la même longueur que le mur. Et ici, à droite de la porte, vous laissez un espace, vous mettez 2, pareil, vous montez de 3 et de 2 en béton blanc. Voilà pour les espaces drive. On va placer maintenant le sol. Donc pour ce qui est de la cuisine, vous allez prendre tout simplement les blocs de quartz et vous allez les mettre partout au sol. Faire un effet carrelage. Et pour les toilettes, hommes et femmes, vous allez prendre les blocs en purpur et vous allez les placer de partout. Pour le restaurant, on l'a déjà vu, c'est la terre cuite verte. Vous placez tout et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que les sols sont posés, vous allez à droite sur la partie extérieure et vous allez donc à droite cette fois-ci aussi de la fenêtre, au troisième bloc de planches de chêne, vous allez venir poser 7 blocs de terre cuite verte en laissant un bloc en bas et vous montez le tout en laissant un bloc en haut d'espace de planche de chêne. Et dans ce cadre, vous venez faire votre logo McDonald's de 3, 2 et les deux petits blocs en haut. Voilà, vous remplissez le tout en terre cuite et vous obtenez le logo du coup de McDonald's européen, le nouveau qui est plus écolo. On va faire la même chose de l'autre côté. Mais pour ça, on va devoir avoir besoin des marqueurs du drive. Donc vous venez à droite des murs et vous venez casser en fait 3 par 2. À l'extérieur, avec le béton gris, vous allez faire le cadre. Donc vous partez le plus bas possible. Et vous obtenez un carré, mais c'est pas ça. C'est plus haut. Donc en fait, c'est bien 3 par 2. Mais comme vous voyez, c'était un bloc plus haut. Vous devez laisser le premier bloc du sol de planche actif. Et donc du coup, votre cadre, ça fait bien une ouverture de 3 par 2 de chaque côté. Vous mettez des vitres bleues en haut pour fermer un petit design.
Et sur la droite, à deux blocs, vous en mettez 7 et ça vous laisse deux blocs de chaque côté d'espace. Vous refaites votre cadre. McDonald's. Donc là, c'est trop bas. Oui, c'était un bloc d'espace. Un bloc d'espace en haut, un bloc d'espace en bas. Comme tout à l'heure de l'autre côté. Donc on rectifie, c'est bien ça. J'ai cru que j'avais un problème, mais non. C'est juste moi qui déconne. Et vous avez votre deuxième logo, McDonald's. 2020, 2021, 2022. J'ai laissé le rouge devant parce que c'est ce qu'il y a de plus marquant, mais c'est vrai que c'est le nouveau logo, c'est celui-ci. À l'intérieur, avec le bloc de quartz sculpté à 3 blocs du mur du drive, vous allez placer 11 blocs de quartz que vous allez doubler, donc plus tripler maintenant que le sol est posé. Et donc vous devez vous trouver en fait au niveau, vous voyez, du mur, à deuxième bloc du mur de toilette. Vous prenez béton blanc et pareil, vous allez le monter de 2. Comme ceci. Ensuite, vous allez venir au niveau du. Vous allez venir remettre déjà les planches de chêne. Parfait. Que vous avez oublié de remettre. Le trou, je vous expliquerai avec de l'eau, c'est pour les friteuses. Et avec les piliers de quartz, vous venez fermer le mur que vous avez posé jusqu'au mur des toilettes. Et vous laissez un espace de 2 pour une porte. Ça vous fera la chambre froide. Voilà. On va rectifier une erreur que j'avais commise. Donc, il se trouve pas au niveau de ce mur blanc, mais en fait en dessous. C'est-à-dire tout le béton gris que je vous ai fait poser. C'est pas bon. Donc, j'enlève pour mieux vous montrer. Donc, toute cette partie-là, il faut l'enlever. Et la remplacer par du béton blanc, mais à un bloc plus haut. Donc, c'est-à-dire un bloc au-dessus. Tout simplement. On fait tout sauter. Désolé pour le temps perdu. Et un bloc plus haut, on remplit tout de béton blanc cette fois-ci. Yep, et hop, et on monte jusqu'au-dessus des piliers. Parfait. On remet le béton gris qu'on a enlevé en trop. Hop, hop, et au-dessus, on remettra le béton blanc. Vous prenez les trappes d'acacia en dessous au premier bloc et vous les mettez vers l'extérieur. D'accord? C'est tout simple, hein. Il faut se mettre dans la cuisine, pas dans le niveau des caisses. Donc au-dessus, comme je vous ai dit, le béton blanc, on remet celui qu'on a cassé ou pas, selon ce que vous avez fait. Et donc, on va reprendre le béton gris, et derrière le premier mur, là, vous allez remettre trois blocs de béton gris montés à hauteur du mur de béton blanc et de quartz. Donc on va voir ce que ça donne du coup de l'intérieur du resto. Vous voyez, c'est beaucoup mieux que noir sur noir. Donc le blanc sur noir, c'est plus sympa. On va du coup poser les portes. Donc vous allez prendre les portes en acacia et en fer. Et donc pour les toilettes, vous allez prendre les portes d'acacia. Pour le resto, l'entrée du resto, c'est comme vous voulez. Soit la porte en fer, soit la porte en acacia. Moi, j'ai préféré la porte en acacia. Et pour l'extérieur, donc la porte qui se trouve à côté des McDrive, en fer. C'est beaucoup mieux, ça fait vraiment porte non civile comme on dit. Vous mettez un escalier en planche de chêne au-dessus, à l'envers. Et voilà. Donc pour la chambre froide, c'est pareil. Vous prenez n'importe quelle porte. Hein. Moi j'ai trouvé une porte en bouleau blanche. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le répertoire, mais elle est mieux. Pour faire pardon. Pour faire le haut de la chambre froide, j'ai préféré finalement casser des piliers de quartz, vous voyez, à deux blocs au-dessus de la porte. Et vous rajoutez des dalles. Des quartz pour fermer le tout. Si vous la trouvez pas assez haute, libre à vous de la monter plus haut. C'est vrai que je trouvais ça bête d'avoir un mur aussi haut pour une chambre froide. Donc voilà pour la chambre froide. Ensuite, on va passer à la hotte. Vous allez prendre les escaliers de purpure. Sur le côté gauche, le mur contre les toilettes. Vous allez mettre deux escaliers, un à l'endroit, un à l'envers, et encore un troisième à l'endroit. Donc ça vous fera la hotte. Des grillades, grillades à steak pour les burgers. Et on va aller, du coup mettre les lumières, tiens. Donc les pierres lumineuses sur la bande blanche, vous laissez un d'espace, vous mettez un, vous laissez deux, vous mettez un, vous laissez deux, vous mettez un, vous laissez deux. Et à la fin, il vous reste un.
donc c'est symétrique. Et là, c'est design. Ensuite, on va mettre les lumières de la cuisine. Pour ça, vous allez prendre les lanternes aquatiques. Vous allez vous mettre à chaque fois au milieu de la rangée. Vous tirez le tout, une bande. Vous vous arrêtez, vous voyez, à ras le mur blanc. Et de chaque côté, vous cassez. Ça vous fait des blocs. Normalement, ça vous fait 7. Si c'est bien calculé, vous devez avoir 7. Donc, vous faites ça au niveau de chaque rangée. Vous laissez un espace sur le côté. Et vous avez 7 qui s'arrêtent pile le long du mur. Ici, vous mettez au-dessus de la porte de la chambre froide. Et vous, pareil, vous allez tirer une grande bande. Donc, en laissant toujours un espace depuis le mur. Vous comptez, vous voyez, les autres. Vous avez bien mis 7. Et donc, vous laissez 7. Vous cassez. Ici, pareil, vous prenez 7. Et vous cassez. Là, vous obtenez les néons de la cuisine. Vous pouvez mettre, du coup, des chaînes sur chaque extrémité. On va pouvoir mettre le plafond, comme on dit après. Donc pour les toilettes, vous mettez un bloc en dessous, vous remplissez le tout de pierre lumineuse, et à l'intérieur avec des demi-dalles de quartz, vous les cachez. Ça vous laisse ça. J'ai pas voulu laisser un bloc de lumière ou quatre, ça faisait beaucoup, donc j'ai préféré mettre les éclairer et les cacher par les demi-dalles. Donc vous faites pareil chez les filles. Pierre lumineuse, un bloc en dessous, et demi-dalles pour masquer le tout. On va rentrer, yes. Voilà. Dernière. On peut mettre des portes, du coup. Bois tropical. Petit bug, on m'excuse. Et tac. Et voilà. Donc ensuite, béton blanc. Par contre, cette fois-ci, dans le couloir, toujours, donc, vous voyez, à un bloc de profondeur. Mais cette fois-ci, vous allez vous mettre, vous voyez, à en mettre deux. Donc à deux d'espace de chaque extrémité. Je vais y arriver. C'est ça. Ici, pareil, donc toujours un bloc en dessous, du béton blanc pour remplir le tout, et on va faire 2 et 2 avec un espace au milieu. Donc c'est mis en pierre lumineuse s'il vous plaît, merci. Voilà pour les toilettes. Donc on va pouvoir fermer le footwear, comme on dit. Donc pour ça, on va prendre les dalles de quartz et système, je crois. Attendez, je pense qu'on a un problème. Oui, parce qu'après je peux pas mettre mon bloc, donc non. Bah, malheureusement, va falloir enlever les chaînes parce que ça passera pas. Si je mets plus bas, ouais, ça touche. J'ai voulu m'ajouter les chaînes, vous voyez, mais finalement en fait c'était pas un bon plan parce que ça passe pas. C'est dommage. Donc, vous enlevez les chaînes, on va la faire comme j'avais prévu. Donc, vous prenez les dalles de quartz que vous remplissez à ras le mur. Ça vous laisse un bloc d'espace au-dessus en planche de chêne. L'espace pour mettre l'andésite. C'est long. Hein. Vous voyez, ça vous ferme le niveau de la hotte. Au-dessus de la chambre froide. Qu'est-ce que c'est long. Ok, je commence à fatiguer du pouce. Donc voilà. On retourne dans la cuisine. Et on va du coup mettre une demi-dalle au-dessus des néons. Vous pouvez tout remplir. Vous pouvez aussi mettre, je sais pas, des escaliers si vous préférez, enfin des accroches différentes, hein, tout est possible, hein. Vous voyez, un escalier ça donne ça, dans le sens là ou dans l'autre, enfin je sais pas, vous pouvez le faire avec un escalier blanc, mais moi je vais préférer tout remplir en dalle de quartz de base. On va faire comme c'était prévu au départ. Dommage pour les chaînes.
peut-être une bonne idée. Donc si vous voulez placer des chaînes, il va falloir changer votre toit. Vous pouvez faire votre toit en blanc, mais je crois que ça en fait trop blanc vu de haut, de l'extérieur en tout cas. Donc voilà, une fois que vous avez tout mis, on va attaquer les toits. Donc pour ça, vous allez prendre l'andésite. Donc, vous mettez forcément au dernier bloc, ici, et vous allez tout remplir jusqu'au bout, jusqu'au Mac Café. C'est pour ça qu'on avait laissé l'espace pour que ça passe. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc le toit est posé avec le béton blanc et le béton bleu. On va venir faire un petit panneau solaire. Donc vous venez au cinquième bloc dans l'angle, en diagonale. Et vous allez tirer des bandes. Donc là, j'ai tiré, vous voyez, une bande de 5. Et enfin, c'est un peu aléatoire, hein, à vous de voir. Vous tirez des bandes comme ceci. Vous faites des cadrages en béton blanc. Donc, à vous de voir la taille. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. L'essentiel, c'est que vous ayez des espaces au centre pour mettre du béton bleu. Voilà, vous voyez, donc là on nous fait 6, 6 c'est pas mal, pour remplir tout de béton bleu. Donc ça c'était pas prévu, mais c'était histoire de remplir le toit. Parce que je le trouvais un peu vide. Donc c'est pour ça que les blocs ne sont pas forcément dans le tuto. Sans bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc autour, on va prendre les dalles en andésite poli, qui ressemblent, vous voyez, à des espèces de plaques de métal avec des clous. Et en fait, on va lui faire une ceinture avec deux, à deux d'espace. Ça lui donnera moins cet aspect de hauteur là, comment ça s'appelle, du panneau solaire, pardon. Ça lui fait un effet plus plat, plus réaliste. Donc vous faites ça tout autour. Et vous allez reprendre le pur-pur. Moi j'ai pris le pur-pur sculpté. En fait, vous allez tirer des bandes pour faire comme des tuyaux qui dépassent. Il y a toujours des conneries sur le toit. Et beaucoup de gros tuyaux qui ressortent, des blocs de trucs de ventilation. Donc voilà, on va mettre des dalles de pierre pour faire des ventiles. On va mettre des dalles de pierre pour faire cheminée. Vous mettez par 4 pour faire avec, vous savez, les rails. Le truc rond, là, la ventilation. On va en mettre ici 4 ou 3 plutôt. Ouais, non, oui, c'est pas beau ça. On va se mettre là-bas. On va continuer. Je voulais faire une fantaisie. Non. Je crois que je vais rester sur 4. Je voulais pas que ce soit 3 pareil, mais bon. Vous mettez le muret de granit en diagonale. Dessus, vous allez venir poser en fait des trappes en acacia à l'envers. Ça vous fera les cheminées. Et les rails sur les 4 blocs pour faire un rond. C'est la petite fantaisie du toit. Hein. C'est plus un Let's Build qu'un tuto sur le toit, mais c'est voilà. C'est un bonus. Donc voilà, vous voyez. Bon, ma texture est pas jolie pour le rail, mais c'est pas grave. Ça vous fait quand même quelque chose de plus rempli sur le dessus. On va s'attaquer au luminaire intérieur du coup. Avec toujours les murets de granit. Vous venez en diagonale, vous mettez au troisième bloc. Vous éclairez. On va mettre de l'éclairage partout, parce qu'on ne voit rien. Et on va faire l'entrée d'ailleurs. On n'a pas fait l'entrée avant. Donc là, l'entrée au milieu, vous mettez au deuxième bloc. Vous voyez. Vous laissez deux à chaque fois, comme tout à l'heure. Vous remettez une lumière, en fait, tous les deux. Et à la fin, il va vous laisser deux normalement. C'est 1 et après 2, c'est ça. Donc au-dessus, vous allez mettre des trappes biscornues. J'aime bien ce nom aussi. Si vous avez des trappes en chaîne de meilleure texture, mettez-la, hein, selon la texture que vous utilisez. Vous ne vous retrouvez pas avec des trappes violettes ou des trappes bizarres sur votre toit. Donc ensuite, ici, on va faire pareil du coup en face. Donc on va vraiment faire quelque chose d'égal. J'ai envie de les rapprocher un peu.
Ouais, donc vous allez vous mettre en fait à 3 de distance du mur. Vous allez laisser 3 d'espace, pardon, du mur. Ça vous fait 3 milieux, c'est ça. C'est pas mal. Et là, pareil, bah, vous laissez 3 et au quatrième, vous mettez un muret de granit. Et enfin, tout le temps, vous faites ça au quatrième. 1, 2, 3, 4. 3 d'espace à chaque fois. Et à la fin, vous allez tomber à 1 du mur. Donc vous mettez les lumières dessus. Vous allez faire la même chose en face. Donc muret de granit, 3 d'espace, au quatrième le muret de granit. Et au niveau des toilettes, vous allez pouvoir venir faire la même chose en fait. Vous allez laisser 3 d'espace, et au quatrième, vous venez placer votre muret de granit. Mettez vos lumières de partout. Et en fait, vous allez mettre partout les trappes biscornues comme ça autour pour donner un petit design à vos lampes un peu moins perchées. Vous pouvez casser du coup les lumières de départ. Pour le sol, s'il ne paraît pas éclairé, ne vous inquiétez pas, quand on mettra le mobilier, on mettra des lumières sous les tables, ce sera parfait. Ici, petite rectification. Pour le toit, vous prenez des escaliers en bois de chêne et vous faites le contour. Tout simplement de la petite case. Donc vous pouvez le faire dans des escaliers comme ça contre le mur. Et vous pouvez aussi le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous mettez au centre des blocs et vous mettez les escaliers contre les blocs. L'effet est plutôt sympa aussi. Donc là vous remplissez avec les lumières de partout. Voilà. Juste au centre, avec pardon, les planches en chêne, vous remplissez le milieu. Donc voilà pour le Mac Café. Je remets mes marqueurs au sol qui était en béton gris tout à l'heure. Et au-dessus des caisses, vous pouvez venir casser une bande de par deux de béton gris pour la remplacer par soit du béton blanc, soit de la pierre lumineuse, soit de la lampe aquatique. Ce sera pour afficher les menus, donc on mettra des bannières ou des tableaux tout à l'heure. On s'arrangera dans le prochain épisode en tout cas. Et vous mettez les trappes biscornues sur vos lumières. Et pour la première partie du tuto, du coup, on aura terminé. Et franchement, il a un beau rendu, moi je l'aime beaucoup. À vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'en suis assez fier. On se retrouve du coup dans la deuxième partie pour l'aménagement de l'intérieur. Et sinon, dans un prochain épisode dédié à un tuto Minecraft. C'était le footwear, on vous dit à bientôt, abonnez-vous, likez, ciao ciao, prenez soin de vous.